regarde, il a déjà un t-shirt. Ça, c'est de la relation client. Elle va se laisser sans rien. Ouais, j'insiste. Ah, il est excellent, ce petit garçon. Comme ça, on peut communiquer, ça va être hyper bien. Attends. Ok, tu t'appelles comment, mon ami? Sébastien. Sébastien, on peut applaudir Seb, putain. Oh, tu sens ici? Ok. Alors, j'ai une question cruciale pour toi, mon petit Seb. Je t'écoute. Bon, si ça te dérange pas, à poil. Ok, ce mec-là va putain de chanter avec nous. Alors, mon petit Bastien, je vais t'appeler Bastien parce que je trouve que ça sonne mieux. Bastien, je pense que ça sonne mieux. Alors, mon petit Bastien, est-ce que tu as un titre que tu aimerais chanter avec nous, un titre favori? Non, c'est vrai, bah, dis celui que tu veux. Vas-y, dis-le. Quand je suis chez moi, je collectionne des canards. J'imagine que tu entends parler, que tu aimerais chanter la chanson je collectionne des canards en tant que vivant avec nous. Oui. C'était pas prévu qu'on la joue ce soir. C'était pas prévu, la raison. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire une version un petit peu plus 2015, quoi. Et puis bah tu... Fais ce que tu veux, amuse-toi. En tout cas, amuse-toi, parce que le principe, je trouve, c'est de s'amuser. Et... Voilà. Mais de rêver, ça vit. Non, de vivre, ça rêve. Ouais, attends, tu vois ce que je veux dire. Bon, on y va. Bastien à Ultra Vomit, en direct du putain de Silac Festival. Je collectionne des canards. Par Sébastien. Oui, c'est-à-dire que le garçon veut chanter une chanson puis il ne chante pas les paroles, quoi. Non, c'est pas compliqué, c'est très simple. C'était de la grosse merde. Ah bah ben oui. Voilà. Vous avez entendu comme moi, il n'a pas chanté les paroles. Il a fait un effort. Je suis un tout petit peu déçu. Il est où mon petit Bastien? Où es-tu? Ah, t'es là. Bon, écoute, ça va pas du tout ce que t'as fait. Non. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Oui, attends. Ouais. Moi, j'ai quand même une bonne idée de... Du métier que pratiquait ta mère, oui. Oui, je crois que tu es le fruit d'un million tarifé. C'est certain. Oui. Non, c'est pas la question. On ira peut-être pas jusque-là. Moi, j'irai simplement dire que ce genre de personne qui empêche d'autres gens de chanter correctement s'appelle un connard, simplement. Voilà. Allez, mon ancien. Mais c'est bien à quoi tu causes. Pauvre connard.